investir pour une nouvelle faculté. La première fois que vous enchaînez 3 victoires cette saison, c'est une belle satisfaction. Ouais, aussi on peut dire que c'est le 3e match sans but encaissé. Et pour gagner le match, c'est plus facile quand tu prends pas de but. Donc voilà, ça fait la 3e victoire de suite, mais la route est encore longue. Je suis juste satisfait qu'on ait, à mon sens, battu une grosse équipe de Grenoble, et en le faisant de belle manière. Donc voilà, c'est positif, mais ça ne change pas grand-chose à tout ce qui nous reste encore. Il reste 18 matchs, il faut arriver à en gagner le maximum. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quand même peut-être l'un de vos matchs les plus accomplis cette saison, François ? J'ai l'impression, oui, parce qu'en face, il y avait de la qualité. Ça s'est joué à pas grand-chose dans les 20 premières minutes. On prenait des coups, on leur en donnait. Ça, voilà, le premier but nous a donné de la confiance, mais on a fait un match sérieux et on a été pour une fois chirurgical dans nos, voilà, dans le nombre d'occasions qu'on a et le nombre de buts marqués. Donc c'est bien, mais il y a encore beaucoup de boulot. Et en tout cas, je suis content aussi de la première titularisation de Yann qui marque. Donc ça, c'est bien pour lui. Il a quand même fait de gros efforts pour nous rejoindre et jouer en DH encore il y a un mois. Et je suis content aussi de la prestation de Jean-Philippe Sabot. Voilà, on voit maintenant beaucoup d'équipes, et Grenoble l'avait fait dans le premier quart d'heure, qui défendait sur notre côté droit. Et ben maintenant, progressivement, on va être capable d'attaquer des deux côtés. Ça rend quand même le jeu plus simple. Peut-être aussi un mot sur la prestation de Guillaume Gauquelin qui fait encore un match énorme ce soir, illustré par le dernier face-à-face. Ça change pas grand-chose, mais j'ai envie de dire que ça change tout, quoi. Voilà, on reste à 0 but encaissé. Pour lui, c'est quand même super sympa. Et voilà. Mais bon, ça va permettre de préparer encore pendant une semaine de plus le match du PSG un peu plus sereinement. Mais dès la semaine prochaine, il faudra essayer de prendre un maximum de points là-bas parce que tout le monde gagne devant. Donc, voilà. À quoi tu t'attends du côté du Paris Saint-Germain ? C'est une équipe qui n'est pas forcément renforcée par les joueurs de l'équipe pro, mais qui est constituée de joueurs qui sont payés pour la plupart mieux que mes plus gros salaires. Donc, on a vu quand même un joueur de Colmar qui est allé là-bas l'année dernière. C'est une équipe, je veux dire, c'est une équipe de nationale, quoi. Voilà, avec des joueurs. C'est pas une équipe de centre de formation, c'est plus. Mais ça ne change pas grand-chose au problème. Nous, il faut qu'on se serve de ce qu'on fait depuis 3 matchs maintenant pour essayer de continuer comme ça.